vous avez empli la tête de toute votre humanité, de votre fraternité. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci à tous les bâtisseurs de la fête. Merci à tous les artistes qui nous ont fait vibrer et communier ensemble. Ici, c'est l'humanité, c'est l'émancipation humaine en marche. Ici, on est loin de l'odeur de pourriture qui monte des bas-fonds des palais de la République. Ici, vous êtes amusants, des indignés de Tunis, du Caire, de Madrid, d'Athènes, de Lisbonne, de Tripoli, de Santiago du Chili, de Bucarest, de Volta, de Damas, de Ramallah, de Gaza et aussi de Tel Aviv. Ici, vous représentez la chaîne universelle de l'espoir. Oui, d'un espoir certes rêvé, mais avec l'ambition qui grandit de le réaliser. La période est exceptionnelle. Le sentiment que cela ne peut plus durer est aujourd'hui largement partagé ici et de par le monde. Il faut tourner la page d'un système qui a livré les clés de la maison humanité à la finance. En crise, il ne produit plus que des régressions sociales, démocratiques, écologiques. Quand tout commande le contraire, et alors que les richesses, les inventions, les outils technologiques et scientifiques n'ont jamais été aussi développés. Peuple de ce début du XXIe siècle, nous avons la responsabilité historique de défricher des chemins inédits d'un processus démocratique de changement très poussé jusqu'à l'émancipation humaine qui cette fois réussisse là où toutes les autres tentatives ont échoué. Indignés de la Courneuve, telle est l'immense ambition qui est la nôtre. Inventer ce que nos prédécesseurs ont beaucoup cherché avec courage et détermination sans jamais le trouver. Inventer un monde où liberté, égalité, fraternité ne serait pas qu'un slogan quotidiennement coulé aux pieds par les puissants. C'est ce que disent beaucoup de jeunes aux quatre coins de la planète en faisant souffler un puissant vent de révolte qui peut-être annonce les prémices d'une tempête possible qui fracasse le mur de l'argent et la forteresse du capitalisme financier, ce système anti-humain, anti-écologique. Cette jeunesse qui se lève et l'avenir, le sien, le nôtre, celui de l'humanité qui veut atteindre un degré supérieur de civilisation. Jeunes de tous les pays, vous êtes le nombre, vous êtes la force, vous êtes l'avenir, prenez votre destin en main. Et dans notre France, débarrassons-nous du président des riches. À la tête de l'humanité, le nom de M. Sarkozy ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Et sa politique est douloureuse et terrible, juste éducation, car son bilan est noir. Il faut en finir, rebrafler, sans papier surexploité et traqué, ouvriers licenciés, citoyens fichés, syndicalistes pourchassés, salariés appauvris et rachetés, pauvres dépouillés, jeunes précarisés, méprisés, humiliés, jeunes discriminés et bafoués, femmes discriminées, journalistes surveillés, juges déjugés, témoins menacés, haine et racisme répandus, préfets déplacés, écoles sacrifiées, méprisants ouverts. Services publics démantelés, économie sinistrée, l'argent qui coule à flot dans le brasier de guerre inutile quand on a faim de la paix. Oui, il faut en finir et il faut que l'an prochain, dans cette fête, nous puissions vérifier que progresse une nouvelle ère pour le changement. Oui, il est temps et grand temps que l'angoisse, le stress, la peur changent enfin de camp. Yeah!
division entre nous. Non, et pour une raison simple, nous voulons que la vie de nos concitoyens s'améliore, et cela ne sera possible que s'ils se mobilisent maintenant, au printemps lors des élections, mais aussi après. Nous allons nous rassembler ensemble contre les rapaces de la finance. Nous allons faire ensemble un grand front de gauche. Chers amis, nous voudrions que ce soit la dernière fête de l'humanité où, par une décision unique, on supprime les aides aux associations humanitaires qui luttent contre la pauvreté. La dernière où on prive les enfants de cantines scolaires. La dernière où des gens doivent dormir dans la rue. La dernière où on supprime des postes d'enseignants. La dernière où on parle de licenciement boursier. Ici, nous voudrions pouvoir l'an prochain recevoir le Premier ministre d'un État palestinien libre, indépendant. Sauver de la mort avant mercredi prochain et que plus aucun soldat ne soit sacrifié en Afghanistan et ailleurs. Ouais. Nous allons tout au long de l'année qui vient nous efforcer d'inverser le sens d'une régression absolue qui nous conduit dans le mur et qui fait courir les plus graves dangers aux populations et à la planète. Et vous pouvez compter sur l'humanité et l'humanité dimanche pour accompagner vos mobilisations, vos débats, vos confrontations et aider la belle campagne que va mener le Front de Gauche. De tout cela vont vous entretenir deux de mes amis très chers, mon ami Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste. Ouais. Et le candidat qui porte avec éclat et talent les couleurs du Front de Gauche à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Ouais.